Bonjour à toutes et à tous, donc je me joins aux salutations d'Edouard. Vous êtes les bienvenus ici à Les Éternes. Donc ce matin, nous allons voir un texte primordial. Vous l'avez déjà peut-être entendu plusieurs fois. Mais donc depuis quelques semaines, nous avons parcouru le livre d'Ésaïe, chapitre par chapitre. Ésaïe fait la prophétie ici d'un personnage qui est mystérieux dans le futur pour amener le salut au peuple de Dieu. Et là, nous arrivons à un passage qui décrit justement ce serviteur ultime. En quoi ce passage écrit pour le salut d'Israël nous est-il pertinent aujourd'hui? En quoi ce texte nous concerne-t-il pour nous, Parisiens du 21e siècle? Alors ce passage est crucial parce que le Nouveau Testament identifie ce serviteur comme étant tout simplement Jésus-Christ. Il est celui, ce texte, il est celui qui donne une explication et un sens à ce qui s'est passé exactement à la croix. Le Nouveau Testament cite et fait des allusions plusieurs fois à ce texte, à ce passage, et donc il sert de base à la compréhension des auteurs du Nouveau Testament concernant la croix. Mais avant que je n'aille plus loin, j'ai une petite requête pour vous ce matin. Lorsque Yahweh s'est révélé à Moïse, au buisson ardent, il lui a demandé de retirer ses sandales parce qu'il se trouvait dans sa présence, en présence du Dieu vivant. Et de même, ce matin, je voudrais vous demander que vous retiriez mentalement vos sandales, parce qu'on est dans la présence de Dieu, le Dieu vivant. Et ce texte va nous aider justement à faire cela. Ce passage est extrêmement riche et extrêmement profond. Il nous dépeint ce que ce serviteur a subi pour apporter la rédemption et la réconciliation entre Dieu et son peuple. Alors dans ce passage, nous avons cinq strophes qui décrit ce serviteur. On survolera chacune d'entre elles. Donc, ce matin, au lieu de faire deux ou trois parties comme on fait d'habitude, ou je fais d'habitude, on aura cinq parties. Premièrement, une vie mitigée. Deuxièmement, une apparence ordinaire. Troisièmement, un sacrifice de substitution. Quatrièmement, un traitement injuste. Et dernièrement, une mort volontaire. Et comme d'habitude, je vais aussi vous demander de garder vos Bibles ouvertes pour suivre le texte. Versets 12 à 14 au chapitre 52. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé, tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Le fait que le serviteur réussisse, grandisse, gagne en importance ou soit placé très haut contraste avec le fait que beaucoup soient horrifiés. Ici, le mot horrifié est très fort. Il est plus fort que le mot horrifié en lui soi-même, en soi-même, pardon. Il peut être utilisé pour qualifier une ville qui a été brisée et détruite par ses ennemis lors d'un envahissement. Et lorsque c'est utilisé pour une personne, c'est pour dire que cette personne était tellement horrifiée par l'objet de sa vision qu'elle en était brisée au point de vouloir en vomir à cette vue. Alors qu'est-ce que ces gens horrifiés ont vu pour leur donner envie de vomir? On lit, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. En d'autres mots, le serviteur avait le visage tellement tuméfié, tellement défiguré par la violence et la torture, qui ne ressemblait tout simplement plus à un être humain. Voir ce visage rendait les gens nauséabonds. Et pourtant, ce serviteur connaît une vie mitigée. On lit au verset 15, il purifiera beaucoup des nations, devant lui des rois fermeront leur bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler.
La vie du serviteur est partagée entre grande réussite et échec monumental, entre incroyable honneur et défaite magistrale. Combien d'entre vous s'est déjà demandé? Je pensais que Dieu m'aimait. Je pensais que j'étais son serviteur, je le sers tous les dimanches, et qu'il m'utilise pour son royaume. Alors pourquoi toutes ces choses horribles arrivent, se passent dans ma vie? À cause de ça, je doute de son amour. Si Dieu m'aimait vraiment, il ne me ferait pas endurer toutes ces épreuves, n'est-ce pas? Et ce matin, j'ai juste envie de vous dire, mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus, si tu te poses toutes ces questions. Et si on regarde dans la Bible, et tous les serviteurs de Dieu, tous ont vécu une vie qui était mitigée, jalonnée de hauts et de bas, de réussites, d'échecs, de victoires, de défaites, de joie et de peine. Mais pourquoi? Pourquoi? On ne saura jamais pourquoi tous ces moments de souffrance arrivent si on ne se focalise que sur notre vie. À la place, il faut simplement regarder vers Jésus. Jésus, c'est le serviteur ultime que Dieu a utilisé, qui a vécu d'une façon mitigée entre lumière et obscurité, entre admiration et mépris. Il faut saisir et comprendre le fait que les hauts et les bas régiront toujours la vie des serviteurs de Dieu, toujours. Et surtout, il faudrait arrêter de dire, si Dieu m'aime, alors il ne laisserait pas toutes ces épreuves se passer dans ma vie. Vous savez, l'amour inconditionnel de Dieu n'est pas incompatible avec les expériences de la vie qui sont difficiles. Regardez à Jésus, une fois de plus. Deuxième point, apparence ordinaire. Verset 1 du chapitre 53, on lit... Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Ce qui est incroyable ici, c'est que ici, le bras de l'Éternel, c'est une métaphore de la puissance de Dieu. C'est la personnification de la puissance de Yahweh. Et justement, cette métaphore est utilisée pour montrer que sa puissance se fait au travers de ce serviteur ordinaire qui est Jésus. Il ne ressemble aucunement à ce que le monde considère comme puissant. Au contraire, Dieu choisit ce que le monde considère de révulsant et de déplaisant pour révéler sa puissance. Lisez avec moi versets 2 et 3. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort de terre, d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. En apparence, Jésus, il était complètement anodin. Voir le contraire, ni beauté, ni splendeur, rien pour plaire. Il a été méprisé, on s'est moqué de lui. En Jésus, il n'y avait rien d'attrayant, rien d'attirant. Vous savez, en France, on parle beaucoup de discrimination liée aux origines ou au nom de famille. Mais une autre question s'impose. Est-ce que dans la vie, en France ou ailleurs dans le monde, faut-il être beau pour réussir? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Jean-François Amadieu, qui est sociologue et directeur de l'Observatoire des discriminations, affirme que ces personnes dotées d'un physique avantageux réussissent davantage dans la vie, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans la vie sociale. Et évidemment, c'est bien sûr pas le seul critère de réussite. Il faut savoir se vendre, avoir avec ses compétences, son éducation, son expérience et son réseau pour réussir. Mais Jésus, il n'avait rien, ni le physique, ni l'argent, ni le réseau, ni le nom de famille, ni l'argent, ni l'influence, pardon.
aucun indicateur de succès. Aucun. Et même lorsqu'il commence son ministère et qu'il commence à accomplir des miracles, les gens se demandaient, mais qui était ce Jésus? N'était-il pas le fils de ce charpentier Joseph? Et ses disciples s'interrogeaient s'il n'y avait pas, si c'est, comment c'était possible qu'une bonne chose pouvait provenir pardon, de Nazareth, la ville d'où il provenait. Et les gens qui ont commencé à voir ces miracles, qui l'ont vu grandir, qui le connaissaient, n'ont rien vu d'exceptionnel en ce Jésus. Pour eux, il était juste ordinaire. Jésus n'avait ni éclat, ni beauté. Alors peut-être ce matin, tu te sens moche, intérieurement ou physiquement. Ou par le passé, peut-être que tu as été méprisé, tu as été délaissé. Alors Jésus, lui, sait exactement ce que tu traverses ou ce que tu as traversé. Il compatit avec toi. Et la raison pour laquelle Dieu opère de cette manière-là, c'est pour qu'au moment où tu mets ta foi en lui, tu puisses expérimenter et que tu puisses être assuré de son amour d'une telle façon que lorsque tu fais face aux échecs de la vie, tu fais face au rejet de l'homme, eh ben tu sauras les gérer. Parce que tu es tellement ancré dans son amour que ce n'est pas grave. Mais sache aussi que Jésus a été défiguré pour que tu sois rendu beau aux yeux de Dieu, pour que tu sois belle aux yeux de Dieu. Il a connu le mépris et le rejet pour que justement tu ne te sentes pas méprisé ni rejeté par les hommes, mais qu'au contraire, que tu sois accepté par Dieu. C'est pour ça qu'il a passé par toutes ces choses. Troisième point, un sacrifice de substitution. Lisez avec moi verset 4 et 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ce qui constitue doctrinalement le cœur de la croix, c'est qu'il s'agit d'un sacrifice de substitution. Jésus, il est mort de manière violente, cruelle et épouvantable, mais cette mort, c'est une mort qui nous porte. C'est une mort de substitution. C'est-à-dire que sa mort remplace celle qui devait être la nôtre. Plusieurs fois ici, on lit que le serviteur prend sur lui tout le poids d'un fardeau qui n'est pas le sien, mais qui est le nôtre. Nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il s'est chargées, blessées à cause de nos transgressions, brisées à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la vie, qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ici, le serviteur prend la place de celles et ceux qui devaient être punis et frappés pour leurs transgressions et leurs fautes. Voyez-vous, toutes ces personnes, c'est nous. Et nous, on a échappé au sacrifice. Il a placé sa place, il a échangé sa place pour la nôtre. Dans l'évangile de Luc, on lit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoyait Pierre et Jean en leur disant « Allez-nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils partirent et trouvèrent, tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. À son dernier repas, Jésus s'est réuni avec ses disciples et a institué le repas de la scène. Et le soir même, tout s'enchaîne. Il est arrêté, il est jugé, il est crucifié, pour ensuite ressusciter. La majeure partie d'entre vous connaissent cette histoire. Mais vous vous demandez peut-être, en rapport à ce passage, comment y a-t-il pu avoir une Pâque alors que Jésus n'était pas encore crucifié? Comment c'est possible? Vous savez, Dieu
ne fait jamais les choses par hasard. Jamais. Lorsque les disciples demandent à Jésus où ils veulent prendre le repas de la Pâque, ils parlaient de la plus grande juive, de la plus grande fête juive de l'époque, ce qu'on appelle la Pessa. Et aujourd'hui, on appelle ça la Pâque juive. Alors la Pâque juive correspond au dernier fléau infligé par Yahweh à Pharaon lorsque celui-ci ne voulait pas laisser Israël partir d'Égypte. Dans Exode 12, on prendra un agneau pour chaque famille. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ça la Pâque juive. Ensuite, dans la nuit, l'ange destructeur passa dans l'Égypte et tua tous les premiers-nés, sauf ceux des Israélites. Aucun premier-né israélite est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont sacrifié cet anneau en substitution de leur vie. Et donc, chaque année, lorsque les Juifs fêtaient la Pâque juive, la Pessa, ils devaient faire ce même rituel, tuer un agneau sans défaut. Et dans notre passage, Ésaïe prédit le sacrifice de ce serviteur sans défaut, qui prend sur lui tout le poids de nos transgressions et de nos fautes. Lorsque Jésus est sur la croix, vous savez, il accomplit parfaitement cette prophétie. En prenant notre place sur la croix. Et vous savez quoi? Depuis, on n'a pas à faire des sacrifices chaque année. Pas de sacrifice d'agneau. Parce que Jésus a été sacrifié une fois pour toutes. Pour toutes. Jésus a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été puni, frappé et humilié. Jésus a été blessé à cause de nos transgressions. Brisé à cause de nos fautes. Et tout ça pour de bon. C'est quoi le résultat? Verset 5, lisez avec moi. Le résultat, c'est que c'est par ses blessures que nous sommes guéris. En étant blessé, Jésus nous guérit. En mourant, il nous donne la vie. C'est ça le cœur de l'évangile. Et le principe de toute la Bible peut être résumé dans les mots suivants de John Stott, qui dit « Le péché, c'est moi qui prends la place de Dieu, là où il devrait être. Le salut, c'est Dieu qui prend notre place là où on devrait être, c'est-à-dire sur la croix. » Vous savez, Dieu, à cause de ce sacrifice, il nous regarde à travers Jésus. Il voit en nous tous les actes que Jésus accomplit et nous les compte comme justes. Pourquoi? Parce que Jésus a été parfait. Il était parfait. Comme cet agneau sans défaut que les Israélites devaient sacrifier. Quatrième point, un traitement injuste. Versets 6 à 8. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. On peut lire ici qu'il y a une sorte d'injustice. Il a été enlevé, maltraité, humilié. Alors que Jésus, il n'a commis aucun crime. Il n'a fait aucun mal. Il était innocent. Il était tout simplement victime d'une justice. Vous voyez, l'idée d'une justice dans l'évangile, c'est quoi? C'est d'envoyer un homme juste mourir à la place d'hommes injustes. C'est ça le concept de justice dans l'évangile. Toutes les religions du monde ont une certaine idée d'un Dieu. Mais seul le Dieu de la Bible est la victime d'injustice.
Le christianisme, c'est la seule religion où on voit que Dieu est dans une position de faiblesse, sans dire un mot pour ce qu'on lui fait subir, alors que tout c'est totalement injuste. Mais qui voudrait d'un Dieu comme ça? Qui voudrait d'un Dieu comme ça? Si Dieu s'identifie volontiers aux injustes, jusqu'à aller en payer le prix terrible lui-même, c'est parce qu'il porte une attention particulière à ces victimes-là. Il porte sur son cœur tous ces Afro-Américains qui ont été victimes de bavures judiciaires et policières aux États-Unis. Il porte sur son cœur tous ces réfugiés d'Irak et de Syrie qui sont victimes collatérales d'une guerre qui a été, j'ai envie de dire, commencée par des pays où ils essayent d'aller, mais où on leur refuse l'accès. Il porte sur son cœur tous ces enfants, toutes ces femmes forcées à l'esclavage sexuel parce que des hommes riches veulent simplement assouvir leur appétit sexuel. Et si nous savons ce que Jésus a fait pour nous sauver, alors nous également, j'ai envie de vous dire ce matin, nous devons également déchirer les forces d'injustice de ce monde. Même si cela doit nous coûter quelque chose. Si on comprend l'évangile, c'est ce qu'on doit faire. Jésus, il a pris toute l'injustice du monde pour que tout le monde puisse connaître la justice un jour. Enfin, dernier point, une mort volontaire. Verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Vous savez, la mort de Jésus démontre la profondeur de l'amour de Dieu. Et on se doit de réaliser justement cette ampleur de l'amour de Dieu. Parce que c'était sa volonté de faire subir ce sacrifice à son serviteur. Et il se fait que ce serviteur soit malheureusement son fils. On a vu jusqu'à ce point, pour l'instant, que la mort de Jésus était une mort de substitution et qu'il s'agissait d'une injustice. Mais il faut aussi comprendre que sa mort était complètement, totalement volontaire. Verset 11. C'est lui qui portera leur faute. Verset 12. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Il est intervenu en faveur des coupables. Jésus a enlevé de nos épaules le fardeau du péché pour les mettre sur les siens. Une fois de plus, sa mort était absolument volontaire. Ça, il faut que vous le sachiez. Nous, en tant qu'êtres humains, on sait qu'un jour, on va mourir. Parce que, après tout, on est mortel. Mais Jésus, lui, il n'avait pas du tout à mourir. La mort n'avait aucun droit sur lui. Lui, il méritait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui aurait pu lier les membres du Créateur du monde sur un bout de bois? Qu'est-ce qui est assez fort pour maintenir les bras de celui qui a placé les étoiles dans l'univers? Vous pensez que c'est des clous qui les a maintenus sur cette croix? Mais ben non, c'est pas les clous. C'est son amour. C'est son amour pour moi et pour toi qui l'a maintenu sur cette croix. Sa mort était complètement, totalement volontaire. Et justement, ça démontre l'ordre de grandeur de son amour. Par ailleurs, dans le même passage de Luc que vous ai lu auparavant, lorsque Jésus institue la scène, il dit après le repas, écoutez bien, en effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne, pardon, est sur le point de se réaliser. Ici, il cite le verset 12 pour dire que
prophétie va être accomplie en lui. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être compté parmi les criminels? Cela veut dire que Jésus est traité comme si c'était lui qui avait fait les choses que nous avons commises. Et ça, il le fait volontiers. La conséquence, verset 11. Mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'âmes. Si Jésus est traité comme s'il avait commis toute faute pour que nous avons faite, alors lorsque toi tu mets ta confiance en lui, tu es traité comme si lui il a fait toutes les choses parfaites. Tu es considéré comme bon, comme merveilleux, comme parfait aux yeux de Dieu, comme Jésus l'a été à ses yeux. Jésus a souffert, il a été puni, il a été humilié, il a été brisé, il a été rejeté, défiguré. Il a perdu son royaume, son domaine, son univers, sa gloire, sa splendeur. Il a tout perdu. Et il te regarde, il me regarde pour dire que ça en valait la peine. Parce que maintenant, nous avons la justice. Il a été défiguré, il a perdu toute sa beauté et sa splendeur afin de nous rendre beaux, nous rendre justes et acceptés aux yeux de Dieu. Il te dit ce matin, j'ai perdu toutes ces choses qui m'étaient dues, mais à la place, j'ai obtenu plus que ça. J'ai obtenu ton salut, parce que je t'aime, c'est ce qu'il te dit. Et ça, ça en valait largement la chandelle. C'est ce qu'il dit dans ce passage, dans ce texte. Alors, au César, c'était il y a une semaine, je pense, le meilleur film a été donné à Fatima. C'est le nom du film, Fatima. Et donc, ce film parle d'une mère célibataire et de ses deux filles. La mère maîtrise pas très mal le français, travaille comme femme de ménage, ce que sa fille Benjamin lui reproche, être femme de ménage. Et donc, elle se sacrifie au quotidien pour leur réussite. Ce film montre justement le courage d'être une immigrée. Ce que ça fait de quitter sa culture, quitter son confort pour le bonheur d'autres, pour le bonheur de ses enfants. Et Jésus nous aime plus que son confort, sa royauté, sa fierté, sa gloire, sa splendeur. Il nous aime plus qu'aucun être humain ne pourra jamais nous aimer. Il a tout lâché afin de nous avoir, afin de nous donner la paix et de nous sauver. Alors, est-ce que vous comprenez la profondeur, l'ampleur et l'ordre de grandeur de l'amour de Dieu pour nous? Parce que, vous savez, Dieu, il reconnaît aussi, Dieu le Père reconnaît le sacrifice et le dévouement de Jésus pour son peuple. Et il le récompense en le ressuscitant. Il dit au verset 11 et 12, « Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le bulletin avec les puissants. » Sa mort n'a pas été vaine. Ça a été validé par sa résurrection. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui compte dans la vie? N'est-ce pas l'amour et les relations? N'est-ce pas les gens que nous aimons et ceux qui nous aiment qui comptent dans la vie? Si vous interrogez les gens qui sont sur leur lit de mort, je pense qu'ils ne vous diront jamais que leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps au bureau ou au travail. Ils ne vous diront jamais qu'ils regrettent de ne pas avoir gagné assez d'argent. Au contraire, ils diront sur leur lit de mort que leur regret, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches, de ne pas avoir montré leur affection, d'avoir dit des paroles blessantes, ou de simplement ne pas leur avoir dit aux personnes qu'ils aiment, tout simplement « je t'aime », que ce soit un parent ou un enfant. Alors, lorsque Jésus était sur la croix, lui, il n'a eu aucun regret
aucun. Il a passé du temps avec ses proches. Il a montré son affection envers ses disciples. Il a montré de la compassion envers les plus démunis. Il a toujours prononcé des paroles bienveillantes. Et à toutes celles et ceux qui le recherchent ce matin, ou qui l'ont recherché, sur la croix, sur son lit de mort, vous savez qu'est-ce qu'il dit ? Il vous dit « Je t'aime ». Et comme ça, il n'a aucun regret. Il t'aime. Prie avec moi. Père, nous confessons que parfois nous ne réalisons pas la grandeur de ton amour. Et je prie que pour chacun d'entre nous, moi inclus, que ce texte puisse nous pénétrer et qu'il puisse tout simplement nous donner cette idée que toi tu nous aimes et que tu as fait tout ce qu'il fallait. Que ta mort, qui était injuste mais volontaire, est une mort qui n'est pas vaine, mais qui nous donne la vie. Et en conséquence, je prie que chacun d'entre nous puisse vivre comme tu nous le demandes. Nous te demandons toutes ces choses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.